On se retrouve, on est samedi, aujourd'hui on est le samedi 6 mai. Aujourd'hui je vous emmène dans une vidéo, rien de plus simple. Aujourd'hui j'avais juste envie de prendre ma caméra, vlogger, on va sur du très très basique. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça en fait. Pas de thématique, y a pas de trucs exceptionnels qui se passent aujourd'hui, y a rien de tout ça, je vous préviens. 24 heures, même pas, une mini journée. Solo à Lille dans ma vie, voilà. Pour mettre dans le contexte, je suis en période de partielle. Là, j'ai eu toute ma première semaine de partielle, c'est relativement bien passé. J'entame avec une deuxième qui sera beaucoup moins cool. Donc, j'ai pas mal de révisions. En ce moment, mon hygiène de vie, tout est catastrophique. Là, hier, je me suis couchée, il était 2h30 du matin. Ce matin, je me suis levée, il était 7h30. Réellement sorti de mon lit à 8h. Et j'ai fait du montage client parce que la vidéo devait sortir demain et j'avais toujours pas fini. Et voilà, tout ça pour toi, c'est un peu l'orage en ce moment. Je travaille beaucoup, mais après, bah voilà, on en parle d'examen et tout. Là, on va aller à la salle de sport, 9h45. Je vais uploader ma vidéo client et petite séance pour se défouler. C'est ma quatrième séance cette semaine. Je me tiens. J'ai déjeuné, du muesli super fruits Björg, voilà, du lait d'avoine et un chai latte. Bon, c'est parti. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai trop hâte. En plus, aujourd'hui, je fais même pas beau, je ne sais pas pourquoi, mais. Happy Clara. Je dois faire mon lit que je n'ai toujours pas fait. D'ailleurs, je suis un peu comme ça. Parce que je devais rentrer chez mes parents ce soir. Sauf que bah, je me rends compte que pour vouloir prendre mes billets de train, bah, en fait, la gare que je prends, le train que je prends passe par une certaine gare. Et cette certaine gare est en travaux. Du coup, il ne peut pas passer par cette gare. Donc, ils ont mis des autocars. Les autocars, 2h50. Alors qu'en voiture, je mets 1h05 pour aller chez mes parents. Et 2h50 en autocar, juste l'aller. Non, bah, n'importe quoi. Du coup, je suis dans l'embarras parce que vous avez remarqué que là, il y a un petit monstre qui court partout. En fait, Adam est chez mes parents depuis un peu plus d'un mois maintenant. Bon, bref, c'était compliqué, mais je suis partie à Londres, je suis partie à Paris. J'allais pas lui faire 36 000 allers-retours. Il y avait des parcelles, j'étais tellement mal que je voulais pas en fait l'avoir à la maison pour que je m'occupe pas de lui ou mal de lui. Du coup, il y a chez mes parents et je devais la récupérer bah, ce week-end justement. Parce qu'après, mes parents s'en vont au Portugal la semaine prochaine. Sauf que bah, ils vont pouvoir mener le bateau au Portugal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu changé la disposition de l'appart. Les meubles, j'en avais marre, j'ai voulu changer. Il est où mon autre oreiller? Ah, il est là-bas. Oui, donc faut que je reprenne le bateau. Comme j'ai plus bah, en fait, de train pour entrer, c'est soit je me tape 6 heures aller-retour au lieu de 2h15 pour entrer chez mes parents en bus, sauf qu'avec les pincelles et tout, enfin c'est que je vous avoue que je veux pas faire un petit peu ma princesse. Mais je n'ai pas que ça à faire. Donc j'aurais bien pu proposer à mes parents qui viennent en fait sur l'île, vu que eux ils ont la voiture, et qui me ramènent le matou et qui passent le week-end sur l'île. En plus c'est férié. Je lave mes couettes. On verra ça plus tard. D'ailleurs l'appartement tour. Ah et bientôt. Normalement quand je fais des tâches ménagères comme ça j'écoute mon livre audio. C'est un nouveau truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, je vais vous en parler, c'est trop bien. Mais là comme je vous parle et que je vois ma vie, je n'écoute pas en même temps. Et bah voilà, on est plutôt pas mal hein. Oh mes oreilles, il faut vraiment la tronche. C'est pas digne d'un grand lit hein, tout ça, mais c'est pas très grave. Hop, je suis ready, j'ai un peu trémoulé, 10h30. Je me suis mis en tenue de sport et je vais aller faire du sport. J'ai pas emmené ma caméra parce qu'elle est assez encombrante et tout. Et puis ça prend toujours plus de temps de filmer. Mais j'ai filmé des plans il y a genre 10 jours, 2 semaines de moi à la salle et je ne les ai pas encore ça dans une vidéo. Donc je me dis voilà, ce sera le moment. Vous voyez, je suis prévoyante. Donc c'est normal si je n'ai pas la même tête, la même coiffure, etc. Je vous dis les backstage de la magie du montage. J'ai une nouvelle passion en ce moment, les livres audio, comme je vous le disais tout à l'heure quand je faisais mon lit. En fait, j'ai découvert les livres audio avec ma grand-mère. Ma grand-mère est une grande lectrice. Des années qu'elle écoute des livres audio, je me disais mais qu'est-ce que, genre vraiment. Et du coup, je m'y suis mis parce que j'ai eu la chance de travailler avec Nextory. Je sais pas si vous connaissez, en fait, je vous montre. C'est une application, enfin c'est un site web aussi. Enfin, j'ai déjà fini un petit livre. Et là, j'en ai téléchargé un nouveau que je vais écouter. Soit je l'écoute en allant à la salle, soit à la salle, ça dépend des livres, ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses. Mais comme j'écoute pas beaucoup de trucs dans la journée, genre même de musique ou quoi, c'est souvent à la salle. Donc voilà. Je vous montre le livre que j'ai choisi. Ça s'appelle Hôtel Parallèle. C'est un truc un petit peu, voilà, fantasy science-fiction. Donc petit descriptif, les commentaires, tout sympa. Je vous dirai un petit peu l'histoire en vrai si ça vous intéresse. Je sais pas si vous aimez un petit peu tout ce qui est science-fiction, etc. Tant que livre. Alors là, on est parti. Petit suite parce qu'il fait pas très beau non plus. Enfin, en vrai, c'est ça. Et pour finalement, pour mes parents, bah j'ai trouvé une solution. Donc j'y vais quand même ce soir ou demain matin. Enfin, je sais pas.
prévu une fondue, mais je n'ai pas envie de manger une fondue. Petit bag, et nous sommes partis pour une séance haut du corps. Je vous montre donc les plans d'il y a 10 jours. C'est good, c'est tout apprêté, tout bien, vous voyez que je ne ressemble pas du tout à la même personne que ce matin. J'avais mangé, j'ai préparé ma lunchbox cette semaine. Je vous montrerai ce que c'est, mais en gros c'est des pâtes blanches, normales, avec des petits pois cette saison, trop bien. Du saumon, un petit peu, de la crème, crème épaisse 4%, et des noix de cajou. Je suis un petit peu dans l'embarras parce que, bon, finalement avec mes parents je vais rentrer chez eux ce soir parce qu'ils peuvent pas venir parce qu'ils invitent mes grands-parents demain alors que ça n'était pas prévu, et j'aurais dit est-ce qu'on a rien de prévu ce week-end parce que j'aimais pas assez, je dois vraiment réviser. Finalement ils m'ont pas écouté, en plus j'aurais dit que je faisais attention vu que j'ai entamé ma perte de gras. Ils m'ont pas écouté et puis qu'ils m'ont dit ce soir on a pris une fondue et demain une tartiflette. De 1, on est mimé, je n'ai tout sauf envie de manger ça, même si j'adore la fondue et c'est mon plat préféré et que c'est pour ça qu'ils ont pris, mais on est mimé, on est en t-shirt dehors. Et ça suit pas du tout avec ce que je suis en train de faire en ce moment, du coup bah... Mais d'un autre côté, je sais que mes parents ils font ça pour me faire plaisir, du coup ça me rend encore plus mal et que j'ai tout de même envie de les voir et il faut aussi que je récupère mon chat et qu'après ils partent au Portugal et voilà, bref. Je pense que je vais regarder une petite vidéo YouTube. Puis après je vous dirai le programme. J'ai commencé mon livre Hôtel Parallèle là de mon livre audio. Je l'ai écouté sur la route pour aller revenir à la salle. C'est intéressant, c'est un petit peu genre, c'est vraiment fantasy, fantastique, etc. Mais c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais franchement c'est très cool, je continuerai de l'écouter un petit peu après. Je dois faire du ménage. Comme je vous disais tout à l'heure, j'écoute des livres audio. J'ai dit que je vous en parlerai un petit peu après, parce que je voulais bien vous expliquer, etc. En fait, j'ai découvert, comme je vous disais, les livres audio avec ma grand-mère, donc c'est quand même pas mal d'années. Et en fait, en ce moment, ça se démocratise un peu plus. Enfin, je sais pas si vous suivez par exemple Julie Ferra, bah, déjà elle lit énormément. Et elle s'est mise aux livres audio, du coup, elle partage en story, etc. Ses lectures, si jamais ça vous intéresse. Et moi, donc, j'ai découvert les livres audio il y a pas si longtemps que ça, je vais être très honnête avec vous. En fait, Next Story, c'est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe. Donc, c'est un petit peu une référence et ils sont pas mal connus, donc ça m'étonnerait pas que vous ayez déjà entendu parler de Next Story. Mais on retrouve pas que des livres, comme je vous l'ai dit, donc il y a livre audio, il y a e-book, il y a série audio, il y a podcast, il y a magazine et presse, donc pour vous dire que ça regroupe plein de trucs. Là j'ai commencé celui ce matin sur voilà un petit peu roman, fantasy, etc. Mais il y en a un autre que j'ai commencé qui est en fait comment devenir micro-entrepreneur, c'est sur l'auto-entrepreneuriat. Donc là beaucoup plus pro et ça par contre je l'écoute mais de façon hyper attentive dans le sens où j'ai des notes à côté pour prendre des notes, etc. Faut savoir que c'est pas que des livres audio, hein. Les livres audio, enfin on peut les écouter, on peut très bien les lire. Il y a la version écrite et il y a 3 formules par mois. Donc moi je vous conseille en vrai, si vous êtes solo un petit peu comme moi, c'est un petit peu mon profil, je vous conseille la standard. En gros ça reprend quoi standard? C'est 9,99 par mois, donc ça reste quand même abordable je trouve. On a 15 heures d'écoute par mois et puis bah bien sûr vous avez accès à tout ce que je vous ai cité avant. Ensuite on a le premium où là on a 2 écrans simultanés, c'est à 14,99 par mois.
Et la troisième, c'est familial. Donc là, voilà, si vous êtes plusieurs, etc., vous partagez le compte et tout. Ce qui est hyper intéressant, on va dans une famille, je trouve, d'avoir ça. J'aurais bien voulu que mes parents aient un compte comme ça à l'époque. C'est 19,99€ par mois, donc ça reste tout de même très raisonnable, je trouve. Et pourquoi je vous parle de toutes ces offres, c'est que si vous voulez tenter l'aventure, si je vous ai fait découvrir, si je vous ai fait donner envie de commencer un petit peu les livres audio, j'ai une offre spécialisée pour moi qui vous offre 45 jours. Ce qui est très très bien, donc un mois et demi, pour la formule standard. Donc il faut savoir que de base, l'offre Nextory, c'est 14 jours gratuits quand même pour tester. Mais là, si vous passez via mon lien, c'est important, il faut vous passer via mon lien, sinon ça ne fonctionnera pas, et bien vous avez 45 jours gratuits en standard. Et puis après, bien sûr, bah, si vous voulez continuer, vous avez l'abonnement à 9,99€. J'espère vous avoir fait découvrir, en tout cas c'est cool, parce que moi je trouve ça trop intéressant, et je pense que ça touche un maximum de gens. Pour mon livre, je pense que je continuerai de l'écouter, ou de le lire, ça dépendra de mon humeur. Ce soir dans le train, en rentrant chez mes parents, du coup. Et là, cet après-midi, je vais dire mon programme. Il faut que je révise le chinois. J'ai partiel le chinois mardi. Il faut ensuite que je révise le japonais, parce que j'ai donc partiel le japonais mardi aussi. À la foulée, ça va être sympa. Et je vais un peu réviser, relire Business English. C'est un partiel que j'ai jeudi, c'est un oral. En soi, c'est pas le plus compliqué, ça, mais voilà. Oh, faut que je fasse projet Voltaire. Je vais pas le terminer, c'est pas possible, je crois la ramasse. Mes cheveux, en ce moment, c'est n'importe quoi, ça m'énerve. J'ai envie d'accrocher un cadre. J'ai des cadres en haut, j'ai envie d'en mettre un dans ma salle de bain. Pourquoi mettre un cadre dans la salle de bain, je ne sais pas. Regardez-moi mon énorme caméra, maintenant, elle prend tellement de place. Et la qualité est mieux. Mon nourriture, je vous ai pas montré, c'est un ensemble particulier. Sur la matière, les origines, etc., de chez Mango. Noir, basique. Chill. Voilà, ce sont mes fiches en chinois. Dis-toi que ça fait 2 ans que je fais du chinois, je ne sais toujours pas dire grand chose en chinois. J'ai les accents, donc c'est Zong Guo, Fa Guo Zhen, Dei Guo et Liu Zi. Mais si on dit la langue, on ajoute You. Par exemple, Fa You. Par exemple, pour dire je suis française, Wo Shi Fa Guo Zhen, Den Chen, Di Bu Qi. Mais Guangzi, Tashiwo de Anu Laoshi, Taja, Nishinago Chen. Ah oui, parce qu'en fait, quand par exemple tu dis quel âge as-tu, si c'est un enfant ou un adulte, c'est pas la même phrase. Pour un enfant, c'est Nijisui. Pour un adulte, c'est Niduoda. Ouais, Woshi est 9. Là, c'est les Pinyin. C'est caractère chinois. Bon, j'ai révisé un petit peu plus pendant une demi-heure le chinois, enfin le mandarin. En fait, le chinois, ça fait 2 ans qu'on en fait, mais les professeurs de chinois, on en a eu 2 différences. Et c'est vrai qu'on a du mal à apprendre avec elles. En fait, je sais pas si c'est dans leur façon d'apprendre, etc. Enfin, je pense complètement différent en Chine qu'en France. Bon, déjà qu'ils ont un peu de mal à parler français, ce qui est totalement compréhensible. Même notre prof de japonais, enfin, vous savez, on les comprend, mais c'est pas toujours simple. Mais c'est que nos professeurs de chinois, qu'on a eu, ils parlent très 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 doucement, mais c'est aussi dans leur culture, et on a du mal à entendre, vous savez. Et donc on a vraiment du mal, toute la classe, hein, y a pas que moi qui ai du mal en chinois. Et moi je préfère par exemple largement le japonais, parce que bah, j'arrive mieux à apprendre, et je trouve que c'est un peu moins compliqué, mais voilà. Le chinois, dans le principe, c'est pas compliqué, parce que c'est un puzzle. Eux, ils fonctionnent en mode puzzle. Mais ce qui est compliqué, c'est la prononciation en chinois, parce qu'il y a énormément d'accents. En fait, on a le comme ça, donc par exemple, on va dire A. On va avoir le comme ça, donc on va dire A. On va avoir le comme ça, on va dire A. Et on va avoir le comme ça, on va dire A. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous faire, mais il y a 4 accents différents en chinois, et la prononciation et donc l'écriture a un sens énorme, parce que si tu fais un A et un A, ça a absolument pas la même signification, par exemple. Et c'est surtout les caractères chinois sont beaucoup plus complexes par contre que les caractères japonais, ça c'est sûr. Mais en vrai, là je le sens plus ou moins bien. J'ai pris 4 heures à faire mes fiches pour dire, j'ai vraiment essayé de comprendre et tout. Je les ai fait avec ma copine qui s'en sort pas mal, ça va, on va dire. Donc là, je vais donc passer au japonais pendant, moi, je pense aussi une bonne demi-heure. En fait, c'est un petit peu pour la fierté, mais je suis contente de dire que je fais du japonais, du chinois, même si je suis vraiment pas douée du tout. Si je fais des efforts, mais c'est vraiment compliqué. Mais pour la fierté, ça m'a pas encore servi, je sais pas quand ça me servira. Je fais du japonais et du chinois, vous voyez. Oh, en vrai, c'est intéressant, hein, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, etc. Donc c'est pas trop mal. Otabemasu, se dire manger. Tabemashita. C'est-à-dire avoir mangé. J'ai pris une barre protéinée, je vous l'ai pas dit. En tout cas, j'ai pris un bras protéiné, une barre protéinée. Je suis bien repu. Hein. Ga suki desu. Ga ishiban suki desu. Sanwa so desu ka watashi mo desu.
Domo arigato gozaimasu, c'est-à-dire merci beaucoup. Après, vous pouvez dire arigato ou vous pouvez dire arigato gozaimasu. Arigato, tout simple, c'est genre merci. Arigato gozaimasu, c'est genre merci, mais un peu plus poli. Et domo arigato gozaimasu, c'est merci beaucoup en mode formel, vous voyez. Bon, il faut que j'apprenne tout ça, il faut que j'apprenne les hiragana et katakana de la maison, genre les pièces de la maison. En vrai, c'est bien ce que j'apprenne, vous avez dit exactement sur quoi en gros, ça va être sur le partiel. Une session ménage, il est 16h. Ah, je travaille un petit peu, j'ai édité des stories et tout comme ça. Vraiment, le nettoyer la salle de bain, c'est vraiment un truc que ça me... Alors, next story, hop. Un fondu, répondit son ange gardien comme si cela expliquait tout. Je les avais presque oubliés. Cela fait lui faire éruption dans les étages supérieurs. Vous avez de la chance que j'ai été dans les parages. De la chance primante les employés indisciplinés. Je vais continuer avec mon casque sur les oreilles extrêmes parce que je vais passer l'aspirateur encore. J'ai fini tout mon ménage, je fais la caisse d'alarme, etc. J'ai trouvé ses gamelles, passé à la serpillière et tout. Ouais. J'ai un peu tourné sur les réseaux aussi, il est 17h30 bientôt. J'ai repris de céréales, chocolat, notre coco. Et je vais faire du montage de cette vidéo d'ailleurs. Je vais montrer en 19h30, donc j'ai 1h30 pour bosser. Bon, là, je vais m'en aller. Il est exactement 18h55. Je viens de finir le déroge pour l'instant de la vidéo. Je vous ai dit, oui, je vais raconter un petit peu l'histoire du livre, ça vous intéresse, vous l'avez raconté. Donc, très vite fait, sans vous spoiler, le livre que je suis en train d'écouter, c'est un jeune qui doit trouver du boulot. Et en fait, il n'arrive pas. Et là, il trouve une annonce d'un hôtel qui a ouvert dans sa petite ville et tout. Il trouve et il se rend compte que c'est un hôtel un peu particulier. C'est pour ça qu'il s'appelle l'hôtel parallèle. En fait, c'est qu'il y a différents mondes et il y a des trucs très bizarre qui se passe dedans. C'est intéressant, genre je trouve ça cool l'histoire, j'aime bien. Mon sac qui est toujours chez Pauline, je prends que ce sac pour rentrer parce que j'ai mon ordi, mon pyjama, sous-vêtements, skincare, chargeur, pilule et porte-monnaie. Et j'ai mis un blazer en laine de chez Nike. Et voilà, je vais terminer la vidéo ici parce que j'ai déjà un c'est long comme ça, j'espère que ça vous aura plu, juste une journée un peu basique avec moi. Que ce soit pour les cours, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour n'importe, bref. Une journée basique où il n'y a rien d'exceptionnel, mais moi j'aime bien prendre la caméra. Ça me tient un petit peu aussi compagnie. Ces jours où je suis toute seule dans mon appart, que je fais pas grand chose. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis hyper active, sur TikTok, sur Pinterest, tout ce que vous voulez. Laissez un commentaire, ça me fait trop plaisir, que ce soit sur n'importe quoi. Mettez-moi un petit commentaire, même si c'est juste un emoji. Et puis on va se dire à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.